Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau GIF. Aujourd'hui je suis avec Duty Tuff, comment ça va? Bonjour, pourquoi GIF? Bah parce que c'est mon image animée. Ah oui c'est vrai, pardon. Ça se tient. Ouais, enfin moi c'est un Pixar personnellement. Sérieux? Tu sais que Pixar c'était un format d'image? Sérieux? Ouais, j'ai vu ça sur Photoshop la dernière fois, j'ai enregistré, tu peux enregistrer en PXR et c'est du point Pixar. Ouah! Voilà. Est-ce qu'il y a du point genre Disney? DSY? DSNY non? Non, tu peux pas avoir 4 points dans une extension. Ah bah si. 4 lettres. JPEG. Enfin JPEG, il y a aussi l'abréviation JPG, mais il y a le mais E JPEG, des fois. JPEG maintenant c'est JPG parce qu'il me semble que maintenant c'est standard de n'avoir que 3 points dans une enfin 3 lettres dans une 3 extension. 3 caractères, ouais. 3 caractères. Ça se tient là de tête, ouais, j'ai des trucs à 3. Ouais, c'est ça, hein. Donc, aujourd'hui, je voudrais un bonhomme de neige. J'aime faire du vélo dans la cour, mais c'est pas j'aimerais un bonhomme de neige. Non, ah, si, je voudrais un bonhomme. Mais alors pourquoi j'ai dit pour faire du... Ah non, c'est faire du vélo dans la cour. Pour faire du vélo dans la cour, ouais, c'est court de faire du vélo bah, sur un bonhomme de neige. Enfin, dans la cour, tu peux faire du bonhomme de neige, mais tu peux pas faire du vélo. Bah, sinon, carrément. Bah ouais, sinon, enfin, je veux dire, faut rester logique. Faut rester logique. Hunster. Oui, c'est moi, enchanté. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un bonhomme de neige, 10 fois. C'est vrai qu'il faut faire un bonhomme de neige ou pas? 10 fois. 10 fois? Ouais. Fois. Mais bah, où ça on y a est, de la neige? Mec, où on a de la neige? On n'a pas de neige, hein. Attends, on a forcément un... Mais non, on va faire une plateforme très haute, il va pleuvoir, on va avoir de la neige. Mais non... Tu veux pas qu'on aille sur le toit de la librairie? Mais t'es sûr qu'on a pas de neige quelque part? Ça te dit rien, la neige? Bah c'est Noël, ces trucs là quoi, mais pas non plus. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, Hunster? Bah ouais, je vois ce que tu veux dire, Hunster. En fait, mais oui, mais c'est... Parce que plus on est haut, plus il y a de la neige? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. En fait, non, quand il pleut, si t'es très haut, elle se transforme en neige. Mais faudrait pas qu'on regarde dans quel... Tu veux pas aller? Attends, parce que là on est sur un biome océan. Faudrait trouver. Sous l'océan! Sous l'océan! Doudou, c'est moi! Mais on l'a déjà faite celle-ci. Ouais. Et un autre jour, parce qu'on est plus le même jour. Y'a de la neige! Bah oui, y'a de la neige ici, mec! Je voudrais un bonhomme de neige. Y'avait de la neige. Mais on l'a déjà toute cassée. Donc ça veut dire, attends, qu'il faut qu'il pleuve. Mais que... Attends, est-ce que c'était de la neige qui était là de base ou pas? Mais c'est quoi ton problème? Bah en gros, si on veut refaire tomber de la neige, il faut casser le verre. Oui. Bon d'accord. Ok. Ok, tu m'écoutes pas en fait. Merde, il a compris que je l'écoutais pas. Non mais tu vois ce que je veux dire? Non, t'as tort. D'accord, j'ai tort. Super. Mais on n'a pas assez pour faire des blocs de neige. Vas-y, viens mon bichon. Mais Hunster, pourquoi cette fois c'est moi qui te suis partout? Parce que on inverse les rôles. Des fois tu fais la femme, des fois je fais la femme. Ok. Très bien, ça me va. J'ai de la neige. Comment t'as fait? Un bonhomme de neige? Ouais. Alors. T'avais assez de... Non, mais je veux dire t'avais assez de... Bah j'avais... Ouais. Ok. Je sais pas. Ah, il faut une pelle. Est-ce qu'il fait de la neige quand il marche là-dessus? Non. Oh, il attaque les araignées, mec. Oh, j'adore ce bonhomme de neige. C'est chaud. Il lui lance des boules de neige sur la gueule. Je savais pas que c'était possible. Je voudrais un bonhomme de neige. Mais tu savais toi ou pas? Non. Que les... Tu savais pas? Bah non. Mais bon, visiblement l'araignée elle a pas l'air de trop souffrir. En plus là il est en train de niquer les moutons en même temps. Ah le con. Mais par contre il vise bien, hein. Ah non. Ah non, il vise très mal. Mais tu vas tuer les boutons. Mais... Ah il faut pas les mettre... Mais il tue les moutons ou il fait pas exprès? Non, regarde il... Ah il vise mal juste. C'est ça. Oh putain, oh faut tuer l'araignée. Mais surtout que attends, les boules de neige ça fait pas de dégâts. Je sais pas, peut-être il les taquine juste. Non mais enfin, ça n'a aucun intérêt, ça ne fait pas de dégâts. Bon, il nous faut 10 bonhommes de neige. Allez, vas-y. Est-ce que je peux en faire un? Est-ce que je peux en faire un? Est-ce que je peux en faire un? Merci. On en a 5, hein, mais j'ai pas d'autres citrouilles. Non mais arrête de cracher des trucs par terre. Mais je veux bien de la neige. Alors elle est juste posée à côté de toi en fait. Il est trop mignon. Tu grandis si vite. Moi je grandis vite? Ouais, j'ai l'impression que t'avais encore qu'un level hier. Je vais voir. Okay.
Du coup, on va rechercher des citrouilles. Ouais, mais ça me fait peur. Pourquoi? Parce que ça me fout la citrouille. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai pas de blague, hein. Y a pas de vanne. Y a littéralement pas de vanne. Non, mais on cherche, mais on va on trouver. Cherche. Si on va vous trouver, n'hésitez pas à nous les dire, hein, parce que. Ouais. Franchement, on est à court de vanne, hein, là, actuellement. Là, l'épisode va être chiant, hein, vraiment. Et, je... mais si on parlait du temps? Ah ouais, oh là là, c'est très lourd, plus que Patrick Sébastien. Ah bah ouais. Ouais, je recycle mes tweets. Hein, je recycle pas du tout. Hein. Mais ouais, ouais. Et c'est bien, c'est que l'avantage, c'est que quand à l'heure où on fait cette vanne, voilà. C'est-à-dire une semaine, deux semaines avant que vous voyez l'épisode. 12 semaines avant que vous voyez l'épisode. Eh ben, je pense que ce sera encore pire. Peut-être qu'on sera déjà mort au moment où l'épisode sortira. C'est possible, c'est possible. Et d'ailleurs, Hunster, j'ai une question existentielle. Oui. Est-ce que t'as prévu, genre, une vidéo si tu meurs? Oui. Non mais c'est vrai ou pas? Oui. D'accord. Non mais c'est vrai ou pas? Non. Non mais, et est-ce que, à un moment, genre, ça t'est venu à l'esprit? Tu veux vraiment la réponse? Oui. Ouais, c'est déjà bien. Ah, moi aussi. Voilà. Non, en fait, j'avais fait un rêve très glauque, où j'étais à l'hôpital, et où je faisais des vidéos, genre j'allais mourir, hein, c'était sûr. Et genre il me restait une dizaine de jours à vivre, et je faisais des vlogs, tu vois. Et genre j'étais super heureux de faire mes vlogs, et tout le monde était triste dans les commentaires. Et genre j'avais zéro pouce rouge. Bah ouais, normal, parce que... Mais non, je suis sûr que si je fais ça quand je suis presque mort, il y a plein de pouces rouges. Oui, c'est vrai, je suis sûr. Genre il y a des gens méchants sur internet. Oui, bah oui, oui. Mais donc ouais, de ces rêves un peu glauques, je m'étais dit putain, faudrait que je fasse une vidéo à diffuser post-mortem, quoi. C'est ça, genre bonjour. Si vous voyez cette vidéo, c'est probablement que je suis mort. Ou décédé. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que je vais bien. Enfin, je crois. Ouais, tu crois qu'il va tomber? Non, je pense pas. Il en manque que 4. Sauf si on le pousse. je dois aller là-bas. Il s'en fout, il me l'a juste pas passé. Bah oups. Moi, oups. Bon, on doit en refaire 5. Mais non, on s'en fiche. On l'a fait, Ah, il y a encore une citrouille. Elle pousse qu'à un endroit, la citrouille. Mais parce qu'en fait, je crois qu'on a que 2 trucs à citrouille. Ah, ça non, jouerait. En fait, enfin, je sais plus. Plus donc, que... Voilà. Mais donc, du coup, dites-nous les gens dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo en cas de mort. Mais on la diffuse avant. Bah non, on la diffuse après. Mais ça veut dire qu'on doit la refaire... Non, on en fait une, genre une tous les ans. Ouais, et si on n'est pas mort, on la diffuse le 31 janvier. Bah non, le jour d'Halloween. Le jour d'Halloween. Genre, cette année pour Halloween, on fait la première qui sera diffusée en 2016. Ok. Bah on fait ça. Ok. C'est une bonne idée. Hein. Non mais c'est une putain d'idée. Mais faudrait la démocratiser pour que tout YouTube fasse ça. C'est ça que j'envoie un mail à PewDiePie ce soir. Mm. Ça peut être cool. Mais donc du coup ça ferait que... Par contre on aurait des putains de vidéos d'avance, quoi. Mais attends, ça fait que... Un an d'avance. Ça fait que tous les Halloween, on aurait une vidéo qui dit... Ouais, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis mort. Ouais, mais on mettra une petite annonce au début. Non mais on fera l'intro genre bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo post-mortem ou pas, ça dépend. Parce que si elle sort le jour d'Halloween, ça veut dire qu'elle est pas post-mortem ou que je suis mort le jour d'Halloween. C'est ça. Mais le karma il serait faible quand même. T'imagines, je meurs. Parce que ça ferait une vidéo un peu émotion, tu sais. Mais en plus, on peut la monter genre maintenant, on la poste et on la met en programmé. Mais oui, carrément. Comme ça, au moins, t'es sûr de. Mais si je meurs, par contre, c'est la merde. Ouais, c'est ça qui est. Enfin, si je meurs le jour même. Ouais. C'est comme, t'imagines, le mec il meurt et il programme des vidéos pendant 4 ans après sa mort. Oh. Ce serait trop cool, genre une tous les mois. Non, mais c'est possible ça. Par exemple, tu pars en vacances, genre un mois avec des amis. Mm-hmm. Tu meurs. Et genre, tu prépares tes vidéos évidemment pour ton mois d'absence. Ouais. Et dès que t'y vas, genre, t'y vas en ferry, tu vois, et le ferry coule. Oui, et bah les gens ils s'en rendent pas compte puisque t'as tes vidéos qui sortent pendant un mois. Et puis au bout d'un moment, tu sais, ça doit faire un peu le buzz quand même. Le youtubeur machin est mort et tout, parce qu'on a quand même un minimum de notoriété. Pour l'instant, y'a pas de youtubeurs qui sont morts, mais ça va arriver, t'inquiète, on croise les doigts. mais à ce moment là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer qu'ils vont faire machin est mort, sauf et que tous les sites vont dire mais non, c'est un fake, il poste des vidéos, et les autres ils vont faire mais il est plus actif sur Twitter. Ah bah si, regardez, y'a un tweet qui dit qu'il a posté une vidéo. Et ça va être la merde sur internet. Ça va être la merde. Ah non, faut vraiment pas prendre le ferry. Faut vraiment pas, en fait faut juste pas mourir pendant les vacances, quoi. Ouais, mais moi je prends le ferry là le 12. Ah oui. Juillet. Oui.
Donc si... Enfin voilà, je vais essayer de vous tweeter des photos dans le ferry pour pas qu'il y ait de malaise. Et à l'arrivée aussi. Ouais, mais Parce que c'est pour ça que moi, sinon... à chaque fois que je prends le train, tu sais, je poste beaucoup de tweets. C'est pour informer que je suis encore en vie, Non, c'est que tu te fais finalement. chier. Aussi, mais c'est pour informer que je suis encore en vie. Eh viens, regarde dans notre coffre si on n'a pas des trucs pour planter du putain de pumpkin. Non, parce qu'on Ok. parle, mais on est en train de faire un objectif là, on travaille, hein. On travaille, ouais, franchement, on. Ben non, on n'a rien pour faire les pumpkins. Hein. Si, il y en a un. Ah. Ah, mais attends, j'ai des pumpkin seeds sur moi. Ah non, j'ai des melon seeds. C'est pas grave, hein. Mets ce que t'as, hein. Mets-en partout. Ouais, mais non. Et là, tu vois, si on met un truc ici, celui-là, il pourra pas pousser. C'est pour ça que je l'ai pas mis ici. Ok, très bien. Mais voilà. Donc, c'était un petit peu. Mais non, C'était mais joyeux, hein, comme donnez-nous conversation. vraiment vos avis, c'est important. Moi, je suis chaud pour le faire. Mais en fait, je vois pas trop l'intérêt de d'y sortir pour Halloween. En fait, j'ai encore un peu du mal. Bah parce que ça fait un contenu, tu vois. Parce que faire une vidéo que tu sors jamais. Bah, en fait, le problème c'est que tu vas être obligé de la refaire au moins une fois tous les ans. Parce que ton style, ta ligne éditoriale, etc., elle évolue. Ouais, Donc autant carrément. diffuser la précédente. Et ça rassure les gens, ils se disent ah bah il est pas mort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais. Ouais, Par mais. contre, si tu meurs genre en avril et que t'as Oui. déjà programmé la vidéo, faut que tu briefes quelqu'un pour lui dire d'annuler la programmation. C'est ça. Parce que sinon, C'est le ça. gros Mais. malaise quoi. Ou alors, tu programmes ta vidéo de mort tous les 15 du mois. Non mais non. Non, si, si, C'est pas un si. format la vidéo de mort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, tu te fais une seule vidéo de mort que tu programmes le 15 du mois. Et le 14 du mois, tu te mets un rappel pour la switcher au 15 du mois suivant. Comme ça, ce qui fait que si tu meurs entre le 15 du mois 1 et le 15 du mois 2, eh ben, tu sais que sous 30 jours, les gens seront au courant que tu es mort, puisque t'as pas pu déprogrammer ta vidéo. Ouais, mais est-ce que là, en soi, hein, Ouais. soyons honnêtes, si là tu l'oublies une fois, genre par exemple, t'es blessé, ou t'es malade, t'es dans le pâté, on t'a volé ton Tu préviens dans la portable, vidéo, tu dis c'est soit que je suis mort, soit qu'on m'a volé mon portable. soit que vraiment je suis con et j'ai oublié de déprogrammer la vidéo. Et donc là, tu te fais spammer sur Twitter et tu. Mais par exemple, là, attends, si on réfléchit bien, on sait Oui. pas si Siphano il est mort ou pas en ce moment même. Oui. C'est vrai. Moi Bah si, ça il a posté m'inquiète. une photo sur Twitter tout à Mais l'heure. il y a combien de temps? Il y a 3 heures. La mort, ça arrive vite, hein, maintenant. Ouais, c'est vrai, j'avoue. On peut pas savoir. Siphano, hommage à l'artiste. Non, mais c'est un ami qui nous quitte, donc moi ça me. C'est vrai, c'est vrai. C'est un ami qui nous quitte, Bon, j'en ça. trouverai d'autres, c'est pas grave. Hein. Mais on continuera le trash talk dans les vidéos quand même. Bah, bah non, faut respecter sa mort, Parce quoi. que. Donc, Mais non, il. non, mais on le traite comme il était vivant. Voilà. Nous. Il faut savoir rire de tout. Et c'est vrai que il faut pas faire de différence, tu vois. Vraiment, c'est. Est-ce Faut qu'on peut pas. pas être taxé de genre de raciste ou Non, mais non, d'autres il est pas choses? noir. Oui, bon bah de cadavriste, s'il meurt et Mais qu'on non, fait il est plus pas. de Ah trash oui. talk. J'ai peur pour le fait que j'ai dit, mais non, il est pas noir. Mais bon, Tu j'assume. crois qu'il est noir? Bah oui. Tu savais pas qu'il était noir? Putain, non, il me l'a caché ce con. Vraiment? Et oui. Non. Mais tu savais pas? T'as Bah jamais non. remarqué? Bah enfin non, enfin moi Mais si on me le pourtant, dit ça se voit. pas. Ça se Je voit. sais pas, je fais pas gaffe, enfin c'est. Mais attends, pourquoi sa copine, à ton avis, elle le maquille pour ses 6 fois points? Ah ouais! Ben oui. Eh. Sa copine elle le maquille pour ses 6 fois points? Oui. D'accord. Je sais pas si c'est une information qui était censée être su, Ah mais d'accord, voilà. tu cherches la merde toi de ouf. Non, mais je crois qu'il l'avait dit. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais, il met des spots, tu sais, des gros spots Ah lumineux. oui non mais tu brilles hein, sans maquillage, on est d'accord Voilà, hein. c'est ça, tu brilles sans maquillage, donc c'est totalement normal qu'il fasse ça. Bien sûr. Mais voilà. Alors, du coup, on lance un hashtag Sifa Noir. Ah oui! Ah oui, c'est bien comme hashtag. C'est pas mal, hein? Genre si fan noir comme ça. Sifa noir comme ça. Sifa noir comme ça, totalement. Et bah parfait Voilà. les amis, hashtag Sifa Noir, tendance mondiale du monde de l'Europe, de la France. J'aime vraiment cette émission parce que. Parce qu'il y a du contenu quoi. Parce que. Et puis, on lance des hashtags. Et puis, comme d'habitude, on dénonce des choses. Ah bah dénoncer c'est un peu notre fer de lance quoi, j'ai envie de C'est dire. ça, bah oui. On le répète à chaque épisode, mais je crois qu'on le dit pas assez, Hunter. Je crois Les qu'on le gens n'ont répète pas à chaque encore compris. épisode, mais je crois qu'on le dit pas assez. Non. Oui, ouais, on le dit pas assez. On devrait le revendiquer dans chaque.
parole qu'on dit. T'as vu, il y a eu un petit suspense. Ouais, gros, waouh. Waouh. Hunster, je m'ennuie. En fait, ouais. Je sais pas quoi faire. Moi, je fais des trucs dans des fours. D'accord. Ah, moi aussi, j'ai de l'or à faire fondre. Ah non, je l'ai mise dans le... Tiens, il y en a ici. Attends, je vais en mettre aussi parce que, du coup, on pourra faire fondre toute l'or. Mais c'est du fer, ça. Ah, dommage. À côté, il y a de l'or. Là, il y a de l'or. Super. Bon, on va nourrir les animaux. C'est un truc de vieux blasé qu'on rien à foutre. Là, en fait, il y a... Enfin, il m'énerve, le bonhomme de neige, parce que il arrête pas de taper les araignées. Bah, viens, on le tue. Il est où? Il est où, le bonhomme de neige? Il faut suivre à la trace. Je veux tuer un bonhomme de neige. Je veux l'éclater avec mon épée. Mais il est où? Oh, tu l'entends tirer des... Mais grave. Il est là. Collabo. Ah, mais les araignées, on est là pour vous aider. Ah, excuse-moi. Je suis pas la taupe, je te jure, je suis pas la taupe. Ouais, bien sûr. J'ai pas fait exprès de te frapper. Alors. Et d'ailleurs, Hunster, ça s'est passé comment notre tournage de Top Gun? Bah, je sais pas, il est pas encore fait. Mais si, au moment où la vidéo sort, il est déjà fait. Donc, il non faut qu'on... Ouais. Bah, si. Oui, il est déjà fait, mais. Ah, c'était bien. C'était bien, hein. Mais oh, en plus, alors... ouais, c'était vraiment bien pour le coup. Moi, je suis vraiment content d'avoir gagné quand même. Bah ouais, mais ce qui est con, c'est quand même qu'on se soit séparés à un moment. Ouais. Parce qu'on était bien ensemble, enfin ça allait, tu vois. Ouais. Et puis là, y a le truc quoi, donc. C'est ça, ouais, c'est ça. Attends, lui, je vais le tuer aussi au cas où. Juste, attends, cette vidéo, elle sort le combien? Le jour d'Halloween. Non, mais attends, tac. Alors attends, aujourd'hui. Non, on tac, dit pas tac, on dit tac. Là, on en a tourné à une là. Ah, cette vidéo, elle sort le 12. Le 12, tu sors? Tu te rappelles de cette pub? Oui. Mais donc du coup elle sort le 12, c'est-à-dire que c'est demain Top Gun, les gens. Comment ça Top Gun, ça sort le 13? Bah oui. Ah ouais, c'est demain Top Gun, je le savais. Bah oui. Je le savais, ouais. Donc en fait voilà. Ah ouais, non, l'épisode 1 il est vraiment exceptionnel, hein. Ouais. Ouais, franchement faut regarder, hein. Faut regarder Bon, ça, il s'avère qu'on est dans la même équipe avec Titeuf New. Donc, ouais, donc voilà, c'est une très bonne équipe. C'est ça. Mais en fait, dans notre équipe, il y a des baltringues, mais on dira pas qui c'est. Et il y a des taupes. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais on ne dira pas les noms parce que on est comme ça. Ah, Hunster, on dit pas les noms. Ah, moi je dis pas qu'il y a deux baltringues, moi je veux pas d'ennui. Hein. Non, mais parmi les gens, il y a qui avec nous d'ailleurs? Je sais plus. J'ai repéré que les deux baltringues. Tu parles d'Aznet là? Ouais. Ouais. Oh putain. Allez. Non, mais attends, j'arrive pas à savoir qui y a. Mais moi je sais très bien qui y a dans l'équipe. Non, mais attends, il y a. Petit œuf. Oui, mais il y a Aznet. Non, non, tu dois pas balancer. Tu dois balancer l'équipe? Bah, on peut, oui. Ok, Aznet, Nems, Frigiel, Nutiteuf, moi et. Mikalo. 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 Mais il filme pas, c'est pour ça qu'on l'a oublié. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc c'est l'équipe en fait gold, hein, comme la carte, et on va gagner. Par contre, on a bien fait de dire à Mikalo d'utiliser X-Ray parce que ouais, bah ça va faire c'est des minerais. En fait, et puis c'est le seul qui a pas de preuve vidéo en fait. Non, donc mais... du coup c'est pas grave. Mais grave, mais on aurait dû prendre Banano dans notre équipe. Je pense, ouais, on aurait dû. Parce que là, on aurait eu du Diams, quoi. Ouais, épisode 1, 5 minutes 30. Les gars, j'ai une table d'enchant. Ouais, c'est ça. On aurait dû faire ça. Et puis ouais, je pense. T'en viens, on va nourrir le bestiau. Le bestiau, allez. Attends, je vérifie s'il y a encore un peu de nourriture. Est-ce que tu veux nourrir un peu le bestiau avec moi? Oui, je veux bien parce que je n'ai strictement rien fait dans cet épisode en fait. Tu vas leur donner des graines. Allez, je vais leur donner des graines. Waouh, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de faire cette série avec toi parce que j'ai l'impression que vraiment je suis utile. Et regarde, là il y a le bonhomme de neige et moi je l'appelle. D'accord, il a eu les boules. C'est pas mal, c'est quoi que je peux nourrir avec les graines? Les poulets. Ah, super. Oui. Vraiment, je suis vraiment content. Non, les poulets, j'en veux plein en vrai. Et est-ce que cette vache peut copuler avec ce mouton pour faire une espèce transgénique? Je pense pas que ce soit encore possible. T'as vu les infos sur la Minecraft 1.9? Non. T'as pas vu qu'on pourrait avoir une arme par main? Ah si, oui, ils ont remis Battle Gear en mode de toute façon on est des bâtards, on vole les mods. Mais en fait le système c'est un petit peu de la merde en fait, je trouve. Oui, mais c'est normal, ils ont copié mais mal. Non, mais ça veut dire que tu pourras plus parer avec l'épée.
Ouais. Parce que si tu fais clic droit, ça tu utiliseras ta main qui est dans ton enfin ton ta main qui est dans ton autre inventaire. Non mais l'arme qui est dans ton autre main. Mais je me dis, si dans ton autre main t'as un seau de lave et que sans faire exprès tu fais clic droit. Non mais t'es pas con non plus. Non mais tu sais, c'est dans le non bah je veux dire, quand t'as un seau de lave dans ta main normale, tu fais pas clic droit. Ouais mais ouais, je sais pas. Peut-être tu te fais là une fois, peut-être deux, peut-être 16, tu vois, mais après ça ira. D'accord, ok, très bien. Mais y en a pas beaucoup de poulets, hein. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut qu'ils copulent. Mais ils devraient copuler avec des bébés vaches parce qu'ils font la même taille. Mais parce qu'on les a. Regarde, regarde comment ils peuvent copuler. Ah oui, c'est vrai. Regarde, ils iraient pas trop bien ensemble, deux. Ces deux-là? Ouais, lui c'est l'homme et lui c'est la femme. Enfin, elle c'est la femme. Ou ces deux hommes, hein, c'est possible. Ça existe, ça? Bah oui. Ah mais ils sont dégueux, tu sais. Ils sont dégueux, ils sont zoophiles. Les animaux, c'est la première espèce à être homosexuelle. C'est vrai, les bonobos. Ouais, il me semble, ouais. C'est pour ça que l'expression très connue, t'es pédé comme un bonobo. Ouais, c'est ça. T'es pédé comme une raie, les raies sont homosexuelles? Ou c'est juste parce que ça fait raie du cul et que ça a fait rire deux mecs qui étaient bourrés? Je pense que c'est... Ouais, hein. Je pense que c'est des mecs bourrés, hein. Ouais, parce que bon... ça fait l'amour, une raie? Est-ce que ça cohite? Alors, je viens de m'imaginer une raie en train de faire l'amour. Mais grave, c'est trop cool, on dirait genre deux feuilles à quatre. Et c'est ça. C'est deux feuilles à quatre qui s'envolent. Non mais les meufs, en fait, c'est comme quand tu demandes deux feuilles cinq quand t'as pas de feuilles double, quoi. C'est des raies qui copulent, quoi. Oh la misère du type, quoi. Mais c'est des feuilles grand carreau ou petit carreau? Du coup, c'est des feuilles petit carreau, je pense. Putain, moi à chaque fois quand je demandais des feuilles, on me donnait des petits carreaux et je regardais c'est trop ça, mal la personne. Tout le monde avait. Parce que les petits carreaux, tu les utilises jamais. Ouais. C'est genre ça. Le prof des SVT là, l'année dernière, il t'a fait ouais, il faudra des feuilles petits carreaux pour faire des dessins. Non, le prof de maths, il t'a dit oui, vous aurez oui, des pour la géométrie. Géométrie et tout. Ouais. C'est ok, t'as des DM de géométrie, t'en as eu deux dans l'année. Et t'as acheté un pack de 400 feuilles. Ouais, 400. Ouais, parce que si tu prenais 400, il y en avait 50 offertes. Ouais, ah, c'est vrai ça. Ouais. Ça c'est tout le temps. Carrefour. Non, moi par contre j'ai besoin d'acheter de la qualité pour mes feuilles. Ah, Clairefontaine. Parce que, non, moi c'est. Attends, c'est. Parce Oxford. Que je dois encore avoir des feuilles. Attends, c'est quoi ça? C'est des Oxford, ouais. Oxford, putain, j'ai encore des feuilles. Ouais, bah carrément. Parce que le problème c'est qu'à moi, un moment j'écrivais au stylo plume. Ta gueule. Oui. J'écrivais au stylo plume et le stylo plume sur les trucs Carrefour un peu Est-ce low cost, ça bave. Non, je suis droitier. D'accord. Non, j'ai une âme. D'accord. Mais... Moi aussi je suis gaucher. Je suis droitier. Pardon. On essaie de me corrompre, j'ai l'impression. Et ouais, voilà. Mais parce que les gauchers avec le stylo plume, c'était toujours marrant. Ah ouais, ils écrivaient sur la... ils mettaient leur main sur la plume. C'est ça. Et après, ça faisait des trucs tout dégueulasses. Et on se moquait d'eux parce qu'ils étaient gauchers. Et des fois, ils étaient gauchers et roux. Moi, j'ai rencontré un gaucher roux. Ouais. Bah, il s'est suicidé depuis. Bah, alors, vous pouvez retrouver sa vidéo le jour d'Halloween. C'est ça. Je trouve qu'on enchaîne bien sur cette série au niveau des. Mais d'ailleurs. Mais en fait, je pense que quand on aura fini tous les objectifs, les gens vont vouloir qu'on reste juste pour parler. Hein. C'est ça. Mais honnêtement, le jeu n'est qu'un support. Oh, c'est beau ce que tu dis, putain. Oh mon dieu, trop de beauté, les amis, on va se laisser. Je peux pas, je tiens pas. Oh, une citrouille. Eh ben... Regarde, on la casse pas. Ok, j'ai une idée de dingue. Du prochain épisode. J'ai une idée de dingue pour l'épisode suivant. Ça va être exceptionnel. On se laisse, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire quelle est cette idée. Bisous bisous, c'était New GTF et Headster Bleacher. Oh yeah. Allez. Bye tout le monde. Bye bye.